Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunhed TV. Mes petits lapins, ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait de petites vidéos sur la bande dessinée. Et donc, avec la sortie d'un nouvel Astérix, qui fête cette année ses 60 ans d'existence, il était difficile pour moi de faire l'impasse sur le sujet. Vous savez à quel point j'aime son dessinateur originel, Albert Uderzo, et à quel point j'aime son univers graphique. Plusieurs vidéos ont été faites ici même sur les Astérix de Ferri et Conrad, notamment sur les éditions collector du Papyrus de César et la Transitalique. Alors si vous ne les avez pas vues, écoutez, je vous invite à farfouiller dans la playlist BD de Gunhed TV. Alors, la fille de Vercingétorix est donc le fruit de la quatrième collaboration entre le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad. Après les Pictes, le Papyrus de César et la Transitalique, le duo s'inscrit donc dans le fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Alors, ce nouvel Astérix, sorti le 24 octobre dernier, qu'en est-il ? Eh ben ouais, qu'en est-il? Alors, le pitch de départ est pour le moins original. Vercingétorix a eu une fille, nommée Adrénaline, et deux chefs arvernes viennent la confier à leur pote, à bras raccourcis, car celle-ci est menacée par César en personne. Bah ouais, forcément. Ils voient d'un mauvais œil que la fille de Vercingétorix survive. Donc, de prime abord, l'histoire nous promet d'être épique. Les fans d'Astérix le savent, les albums alternent toujours entre une aventure aux confins du monde et une aventure plus locale au village. Nous sommes donc, pour cet album, dans une aventure qui va se dérouler essentiellement autour du célèbre village gaulois. Alors s'il est indéniable que Conrad réussit à relever le défi d'animer les Gaulois avec un réel dynamisme, sans pour autant nous faire oublier ici et là le talent d'Uderzo, certaines scènes maritimes nous démontrent qu'il prend de plus en plus d'assurance dans le trait et que nos chers Gaulois sont beaucoup moins rigides que dans les deux premiers opus où l'on sentait que l'ombre d'Albert Uderzo planait quand même sur la planche à dessin de notre ami Conrad. Alors au niveau des reproches, il y a quand même des caricatures qui ne nous font pas sourire. Celle d'Aznavour, par exemple, aurait été rigolote s'il était encore vivant. Mais les auteurs ont sans doute été rattrapés par l'actualité, et comme ils n'ont pas eu la délicatesse de la retirer, j'imagine que c'était beaucoup de boulot, forcément, quand on la voit, on pense à Aznavour, et tout le tout team autour de sa disparition, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce chanteur. Mais voilà, le fait de voir Aznavour, paf, ça nous fait un flash. Et bon, j'imagine que les auteurs l'ont laissé comme un clin d'œil hommage, mais dans une histoire, ça coupe net l'imagination pour nous ramener à une réalité dont on se serait bien passé. Néanmoins, au risque de me répéter, Conrad maîtrise son sujet et il faut lui rendre cet hommage. D'un point de vue du dessin, c'est un bon Astérix. La mise en couleur est quant à elle sublime et incroyablement efficace. L'immersion dans l'univers d'Astérix lui doit beaucoup. Un grand bravo à Thierry Mébarki. Bref, si Conrad s'améliore, je suis beaucoup plus mitigé pour l'ami Ferri. Et c'est dur pour moi de vous dire ça car j'adore Jean-Yves Ferri. Lecteur de Fluide Glacial, j'adorais ses histoires d'aimer la capelle, ou encore ses fables autonomes. Son De Gaulle à la plage est un chef-d'œuvre d'humour complètement décalé. Et là, finalement, on a rapidement l'impression de tourner en rond. Les effets se répètent et sentent les stéréotypes à plein nez. La crise d'adolescence dans toute sa splendeur et le conflit des générations qui en découle, on les voyait venir à des kilomètres à la ronde. Alors les plus anciens se souviennent tous de Pépé Soupalognon y Cloton dans Astérix en Hispanie. Petit genou ibérique, irascible, qui arrêtait de respirer quand il était contrarié. Eh bien, objectivement, je m'attendais à un personnage de la même trempe. Et là, le personnage central, la fille de Vercingétorix, Adrénaline, manque d'ampleur et on peine à s'y attacher. Son attitude téléphonée nous saoule rapidement. C'est la fille de Vercingétorix, on attend d'elle un peu plus de souffle épique, et au final, ce n'est ni plus ni moins qu'une ado comme une autre. La bof génération que décrivent certains psychologues, c'est-à-dire égocentrés, peu concernés par le monde qui l'entoure, et qui ne voient finalement pas l'intérêt de s'engager dans une cause quelconque. Alors le bof s'écrivant B-O-F, à ne pas confondre avec le bof de Cabu. Bref, même si Ferri s'en sort admirablement avec des jeux de mots bien ciselés, bien sentis, et des personnages d'ados et de pré-ados également bien trempés, on a l'impression que les scènes se succèdent pour aboutir à un gag qui finalement tombe un peu à plat et qui fait peu avancer l'histoire. Entre deux cases, on y parle d'écologie, d'éducation ou encore de liberté. Alors ce sont des valeurs chères aux créateurs d'Astérix, mais quand l'idéologie prend le pas sur l'histoire, ça dessert finalement l'engagement des auteurs. Ça manque de subtilité, même si la pédagogie est louable en soi. Ceci dit, mention spéciale, le clin d'œil au véganisme est bien senti. Uderzo et Goscinny s'inspiraient des faits de société, des anecdotes de leur époque ou autres. On ne peut donc pas reprocher à Conrad et Ferri d'en faire de même. Néanmoins, j'ai eu le sentiment qu'Astérix et Obélix semblaient en dehors de l'aventure, comme des témoins impuissants d'une situation qui les dépasse, sans pour autant que l'on frémisse un seul instant au devenir d'Adrénaline. Bon, après c'est un type de 46 piges qui vous dit ça, un vieux blasé un peu ronchon d'être lui aussi impuissant face au temps qui passe, et qui regrette comme un vieux con le bon vieux temps. Alors je vous épargnerai le sempiternel, c'était mieux avant, mais je me demande sérieusement comment les jeunes perçoivent cet album. Non, c'est une interrogation. Est-ce qu'ils adhèrent tout de suite ou est-ce que bon, ils sont un peu mitigés par rapport à ça? Est-ce que ça répond à leurs attentes? Bref, c'est un questionnement parce que moi, les Astérix de mon enfance, paf, ça faisait souvent mouche. Alors est-ce encore le cas aujourd'hui? That is the question. Alors au final, parce qu'il faut bien conclure cette vidéo, on peut dire que même si on n'est jamais déçu de retrouver nos petits Gaulois, ne serait-ce que pour les jeux de mots et les clins d'œil anachroniques si chers à René Goscinny, on reste tout de même sur sa fin avec cet album. Une fois passé le cahier des charges et les clins d'œil destinés à la fanbase, on reste sur une histoire terriblement conventionnelle. Bref, mes petits lapins, il faut la lire sans chercher la petite bête comme je peux le faire, sinon vous trouverez forcément à redire. Voilà, j'espère que cette petite incursion dans le monde de la BD vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunhed TV.